Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 4 pour une vidéo découverte. C'est parti, on va pas s'embêter plus longtemps. Nouveau, commencer une nouvelle partie, confirmed. Donc voilà, on va voir Fallout 4 qui était très attendu par beaucoup de monde, y compris moi. On va voir ce qu'il donne enfin. Enfin bon, voilà, j'ai tout mis en ultra pour voir, mais bon. Même avec mon PC, la config, enfin ce qui a été recommandé, c'était médium. Mais bon, je suis un peu trop gourmand, j'ai mis en ultra, on verra bien. Petit chargement, de rien du tout, enfin je l'espère. Oh mince, bon bah, désolé si c'est en facecam, parce que là je viens de remarquer, je viens de regarder ma cam à l'allumer, ce qui n'était pas prévu. Oh, on va pas s'embêter. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah. Bethesda Game Studio Present. Super. Fallout 4. Allez, c'est parti, les mecs. Ouh là là. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Ok. Par contre, cette cinématique, je vais faire passer. Fuck the police. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Franchement, il est bien fait. Oh, franchement, il est bien fait ce jeu. Bon, à visage, je sais pas quoi là. Bah attendez, je vais simplement enlever ma cam parce que ça m'énerve tout de suite. Bon, allez, nous revoilà, donc je vais désactiver ma cam. Donc, à visage, on peut changer le visage qui est pas mal. Oulolo, c'est quoi c'est vieux là. En fait, le premier c'est le mieux, donc attendez. Le premier. Voilà. F. Ah, carrément, pas mal. Style. Et pas aussi. C'est quoi ce coup? Ouais. Et je regarde vite fait en mode. Ok. Je vais essayer. Fuck, on va prendre. J'aime ça. Bien. Ça te donne l'air plus jeune. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Ouais. C'est classe, non? Type. J'adore ton joli petit nez. Voilà. Chérie, il est pas trop gros mon nez. Il est sérieux lui. Oh, dégueulasse. Oh, stylé celle-là. C'est aussi séduisant que le jour où je t'ai rencontré. Ah bah moi, vous me connaissez, hein. Le mec pas du tout. Ok. Entrée terminée. Moi j'ai pas ma cicatrice. Bon, tant pis. Parce que le robot là, robot qui fait tout, what the fuck quoi. Hey, Cotsworth. Ne vous occupez pas de la vaisselle, c'est mon travail. Par contre, ça m'énerve de pas pouvoir avancer. Tu peux aller ouvrir? Ah. C'est sans doute ce représentant, il passe tous les jours. Ok. Bonjour, société Voltec. Abordons un sujet qui nous tient à cœur. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais ça ne m'intéresse pas. Non, monsieur, pas d'inquiétude.
Je ne vends rien. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Je n'ai pas vraiment envie de vous parler. Mais je sais que vous êtes... Je n'ai pas vraiment le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça ne prendra qu'un instant. Je dois simplement vérifier certaines informations. Je dois m'assurer que vous aurez bien accès à l'abri en cas de... En abri. ...destruction atomique mondiale. Revenez un autre jour. Allez, Trésor. C'est juste un peu de paperasse. Laisse-le remplir ses formulaires qu'on en finisse. J'ai dit non. Et moi, je dis oui. Là. Très bien. Très bien. Alors, allons-y. Oh, elle est sérieuse, elle. J'ai pas envie d'aller dans un abri, moi. Comment pas le mauvais truc dans Fallout 3. Bon. Force 5, perception 2, endurance 2, charisme 2. On va un peu tout, entre guillemets, équilibrer. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Ouais, ouais. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Bah ouais, mais t'allais pas faire ça, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te bute ou quoi? Je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Bon. Cotsworth. J'ai entendu Cotsworth. Allez, allez. Si je puis me permettre, il faudrait que vous vous occupiez personnellement de Sean. Un enfant a besoin de son père. C'est normal. Ok. Alors, comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. C'est le mobile, voilà. Stylé. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Et là, le gros bâtard. Et rater le championnat du monde à la télé? Sans moi. Madame? Monsieur? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? Oh là là, qu'est-ce qu'il a encore l'autre? Salut! Et maintenant, attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons qu'est-ce perdu le contact avec nos autres studios. Des non. sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. On est dans la mer noire. Allez, viens. Vite. Allez, allons-y. On va où là? Oula, j'ai un petit frise. On va où? Cours. Ah, il y a une carte en bas. Cours. C'est quoi ce bordel? On se tire. J'abandonne tout le monde. Je me tire. C'est absurde! C'est moi, Voltaire! Bon, pour une fois, là, je suis content. Vous ne m'arrêterez pas! Lucas! Laissez-nous entrer! On est sur la liste. On va mourir! Homme adulte. Femme adulte. C'est bon, allez-y. Merci. Bonne chance, madame. Dieu vous deux, suivez-moi! Allez! Vas-y, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté on de la barrière? Allez, dépêchez-vous! Par ici! Allez! Accélère à cadence. Montez avancez, sur la plateforme. Okay. Mettez-vous au milieu. Par contre, c'est stylé, hein. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Oh non, mais j'y crois pas. Descendez tout de suite. Accroche-toi. On peut pas aller plus vite. Aidez-moi. Ok. C'est ce qu'on appelle de la chance, messieurs. C'est ce qu'on appelle de la chance. On a réussi. On y est. Tout va bien.
Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. Mais si on ne veut pas. S'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Allez. Okay. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard, n'y pensez plus tous. Vous êtes en sécurité. Vas-y. Homme. Femme avec enfant. Approchez-vous de la table. Prenez une combinaison. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Là-bas. Merci. Et maintenant ? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Ça marche, je le sais. Hein. Tu vois ? C'est notre nouvelle maison. Oh, Lord. Vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Ok. On a tout perdu. Notre maison. Tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici ? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Bien sûr. Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Pour être aussi confortable que chic. On est paré pour l'avenir, pas vrai ? Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Capsule de décontamination. Tu peux venir ? Ok. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3... C'est moi ou on est en train de se faire jouer là ? J'ai cru voir du gel sur les vitres. C'est vraiment fait congeler, non. On peut pas sortir. Hein. C'est celle-ci. Ouvre. Ouh là, il a un flingue. Oh non. Oh non. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Qu'est-ce que t'as fait plutôt? T'inquiète, je me souviendrai de ta gueule. Allez, ciao. Je vais te buter, mon pote. Ouais, il va falloir que je le bute. Le mec, il bute sa femme au calme, tu vois. Enfin, ouais. Femme du perso principal qu'on incarne au calme, le mec. Enfin. Attends, mon pote. Allez ! Il doit bien y avoir une ouverture ! Allez, allez, allez ! Oh non ! Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Donc là, elle est morte, en fait. Et ouais, elle est morte. Bah bravo. Bravo Moret, elle est morte, bravo. C'est
si elle est fermée. Je peux y aller. En fait, c'est... What the fuck? C'est quoi ça? Ah, on a une matraque. Team pack. Test café, on s'en fout. Terminal de sécurité, c'est quoi? Bienvenue à Team Link. Non. Sans balistique, mon pote. Bon, voilà, en fait, ouais, j'ai oublié de vous le dire, ce let's play sera... quand j'en aurai envie, quand j'aurai envie de me faire une petite partie Fallout, et ben on fera un petit épisode. Ok. Ok. Des cafards géants. Ouais. C'est quoi ce bordel? Ouais, j'avoue, là. On va un peu visiter. Il y a que dalle. Que dalle. Il y a strictement que dalle. Oula. On va passer par le contour, hein. Là, il y en a un autre. Qu'est-ce qu'il comptait faire, mon pote? Cafard géant, je récupère la chair. On continue. Oh non, mais ils sont sérieux, là? Bon, c'est encore heureusement qu'ils sont nuls, ces cafards. Hein. Ok. Flingue. Munitions. Ce qui est pas mal. Attends, encore un terminal. Ouais, ok. Ouvrir le tunnel d'évacuation. C'est quoi le Krillator? Ok, en fait, on a bien été congelé, le bat, les gros bâtards. Bon, ouvrir les tunnels. Ok, ça a bien été ouvert. Cartouche, cigarette. Je prends tout ce qui pourrait être utile, hein. C'est quand même bien fait comme truc, hein. Franchement. Oula. Voilà. Par contre là. Mais what the fuck, man. Ah, ça marche. Je sais pas pourquoi, mais là en fait, je suis pas du tout habitué.